Blue Bomber, c'est pas le Blue Baby avec. Ouais, c'est ça. Il a pas de larmes, mais il fait des foules explosions. Il faut aller jusqu'à. C'est quoi, c'est Satan, ça? En vrai, c'est pas mal, hein, ce truc-là. C'est pas si débile. Si tu le times bien, c'est imbattable. C'est trop débile. Ah c'est con, il y a des soldes, j'ai pas d'argent. Bon après pour le pour la batterie, le battery pack on s'en fout mais Ah on pourrait éventuellement prendre un petit cœur supplémentaire. Oh non, oh là, oh là les raclures. Non, elle est pas là. Peut-être là non plus. Ça va être avec la curse, ouais, c'est ça. Paf, paf. Oh oui! Putain, dis donc, il est généreux ce début de run. Hein. En fait, ouais, le Blue Bomber, ça va finalement. Ah, j'ai pas de clé! C'est quoi? Full mapping. Pas mal. Et l'autre, c'est The World. Bah, dis donc! On a le mapping pour tout. Incroyable. Ça, c'est dommage pour la. Ah, mais attends, il y avait pas une clé au shop? Je crois pas, hein, mais. On va quand même aller piffer, on va voir. On va aller jeter un oeil. Eh non, y a pas. Ah, attends, là-dedans peut-être. Oui! Oui! Nous avons la clé et on a pu récupérer le petit cœur qu'il a avec. Bon, de toute façon, je pourrais pas aller jusqu'au bout tout de suite. C'était juste pour voir ce que c'était. Et on a la chance de tomber sur un excellent début de parcours. Ouais, on va finir l'étage et puis on finira la run la prochaine fois. Ah oui d'accord, c'est one shot. On en est là. Et le prix de consolation, c'est quoi? C'est la range, évidemment. Hein. On avait besoin de la range, c'était évidemment indispensable. Oh j'ai envie de faire un petit étage de plus. Il est tellement jouissif ce truc. Putain, la vision, paf. Oh là là, c'est débile. C'est débile. Attention, paf, voilà. Oh oui, oh oui. Oh le plaisir intense de pouvoir bourrer comme un bourrin sans avoir à se faire chier la vie. Ça va être l'un des objectifs, des challenges les plus faciles. Hein. Honnêtement, quand tu one-shot tout, on peut pas vraiment dire que la difficulté soit là. On va peut-être aller faire un petit tour au shop quand même. On sait jamais. Oh, un petit cœur, oui. Voilà, on a bien fait de venir finalement. Paf. Hop les bonus. Alors il y a quoi? There's options, c'est... Oh oui! There's options, c'est trop bien ça. Oh là là, mais ce début, cette run, elle n'a aucun sens. Enfin, c'est pas une run, c'est un challenge. Le challenge, on est en train de le bourrasser et il y a encore du pognon. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Incroyable. Et voilà. Bah, un petit oh, une petite pilule, c'est quoi? Lockdown, bon, c'est pas très grave. Dans le shop, je me rappelle plus ce qu'il y avait déjà. Poisson rouge man. Où est la mémoire? Je ne sais pas. Oui, il y avait une petite sacoche. Et on va tenter. Ouais, on va la tenter, la pilule. Hein. Bad gas. Et la carte, c'est quoi? The chariot. Bon. The chariot, pourquoi pas. Oh bah dis donc, le swallow de Penny, le gulp. Attention, attention, attention. C'est dangereux ça. Il y a danger, il y a péril. Voilà, c'est bon goût. Paf, allez, one shot. C'est débile, mais c'est trop... C'est complètement con, quoi. Hop, évidemment. Et là, il y a quoi là-dedans? Oh, la goat head, tous les jours. Tous les jours, et est-ce qu'on piffe le pied des... Le... Merde! Ah merde, il y a des araignées encore, j'avais pas vu. Ah, le con. Est-ce qu'on tente... Ouais. Ah bah, je l'ai pris sans vouloir. Bon bah, comme ça. Voilà.
Et en plus, on a le flight. Bon, bah écoute, c'était plus que garanti de le prendre. Hein. Alors là, j'ai glissé sur l'objet. Enfin, et on chope le flight. Bon, vas-y, hein. On est parti pour. Je vous fais un petit peu de rab. Hop. Ah oui, non, si, on prend pas les dégâts des explosifs, donc on s'en fout les mushrooms. Si on se fait toucher, voilà. Peut-être une secret ou une super. Oui, la secret est là. Health up. Oh là là, magnifique. Ah, ma carte. Merci. Les grosses mouches. Ah oui, c'est vrai, on vole. Hop, les... Ah, par contre, j'aimerais bien aller un peu plus vite. Ah, the world. Encore the world. Décidément. Oui, le mystery gift. Ah, le poop. Dommage. Objet de départ de Blue Baby, quand même. Hein. On retrouve ses origines. C'est quoi, ça? Pretty fly. Nice. Allez, on continue. On continue. Il y a une challenge room. Pourquoi pas? On peut... Merde, je suis allé trop vite. Je me suis un peu ambiancé. Oh, pour un seul coffre, on va pas s'emmerder. Hein. On va pas se donner la peine. Allez, vite. Vite, 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 vite. Paf. Paf. Et c'est la super secret qui me manque. Qui peut être un peu partout. Hop. Oh là. Voilà, très bien. Ah, oh là. Oui. Elle est pas là. Elle est peut-être en bas. Tout en bas. Ah, elle est pas là. Merde, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave, on va pas refaire tout l'étal. Hein. Elle a pas le temps. Je vais l'emmerdement. Si tu t'emmerdes, je vois autre chose. Bah non. C'est rigolo. C'est rigolo. S'emmerder. Non, bah non, on peut pas prendre ça, c'est de la merde. Hop. Faut que ça avance. Et dit... Non, mais on s'emmerde parce qu'on est encore au début du jeu. Ça sera plus rigolo quand on aura tout plein de trucs les débloqués. Ah putain, je me fais toucher. De toute façon, il y avait déjà trop de monde sur les autres jeux, donc flemme. Mais on en fera tout à l'heure des autres jeux. Paf, 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 et merde, et paf. On est quoi? Oui, on est jeudi, c'est ça. On est jeudi. Donc ce soir, on fera du StarCraft. On l'avait dit. Hop. Paf. Paf. Non. Oui, sale au trésor, y'a quoi? Oh, un caca arc-en-ciel. Bravo. Bravo à tous. Une clé, oui. Combien d'heures de jeu pour le début déjà? Ah bah sur cette save là, je suis 10-15. À vue de pif. Je sais pas. Peut-être. Ouais, allez, entre 15 et 20 peut-être. J'ai pas fait toutes les sessions en live, mais... Oh, le anarchiste cookbook. Mais là, on avance vite encore, ça va. On a 130... Combien? 137 secrets. 137 ou 127, je sais plus. Mais là, ça va. Déjà, on a débloqué le D6. Le D6 pour le Isaac, donc on va pouvoir farmer avec Isaac pour tout débloquer, faire tous les combats de The Hush et compagnie. Et donc, du coup on va pouvoir aller assez vite. Après là où ça va vite, c'est aller jusqu'au au cœur de maman et Isaac. Bah, c'est des trucs qu'on maîtrise quoi, donc si la difficulté est pas vraiment là. Donc oh putain, bah dis donc, qu'est-ce qu'on en a des cœurs. Wow. Oh, la Guppy Z. La Guppy Z, c'est très bien, mais on garde le kamikaze, bien sûr. 611 heures pour le 100%, ouais. Bon, on va essayer de faire plus vite que ça, quand même. Ah, la Bible. Vas-y, on va la... Ah, mais j'ai pas les sous. J'aurais bien débloqué juste pour le...
Pour le flight. Ah bah non, mais on s'en fout du... de la transfo. La transfo du libraire, vu qu'il faut des larmes. On s'en fout. Hop. Paf. Paf. 15 heures de chômage, ça passe vite. Ah, je sais pas, 600 heures, ça me paraît énorme quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu casse-burne à avoir, mais... Disons que ça dépend si les 600 heures, ça comprend... Enfin, c'est pour un joueur qui découvre le jeu, qui démarre de zéro, ou si c'est... Enfin, quoi que oui, tu me diras, ça serait logique. Mais comme on connaît déjà très bien le jeu, tout ce qui est au début du... Bah, tous les persos de base, on les maîtrise quand même bien, donc... ça devrait aller assez vite. Ça marche. À plus tard. Et merci d'être passé. Peut-être tout à l'heure. Pour le StarCraft game. Ah, la fesse gauche, merci. Merci, ça fait plaisir. C'est gentil, parce que la droite, il y a déjà des... Il y a déjà une réservation. Il y a déjà des gens qui réservent. Je commence à manquer de place. Hop, voilà. Paf. Ah, oui. Allez, on trace. Ouais, c'est vite. C'est pas que ce soit le plus intéressant des challenges quand même, mais c'est cool. Un challenge de plus, quoi. Plus que 240. Paf. Voilà. Le shop, bien sûr. Ah, un greed. Bon, les pièces, on s'en branle. De toute façon, je crois que je suis allé au dernier étage. Avant le bombe. Ah non, c'est pas encore la mom. Voilà, ça aide. J'ai pas pris l'objet. On va aller le voir. On va aller le trouver. Allez, on a quoi? Peace. Bah ouais, mais non. Enfin. Oh, mais y'a que des trucs de merde! Voilà. Quoique non, je suis dans un challenge, y'a pas d'objet, on s'en fout. Enfin, pas dans celui-là en tout cas. Donc traçons. Traçons jusqu'au boss. Nécro, ok. Petite clé. Ah, la touche. Petite salle au trésor. Alors, il y a quoi là-dedans? Des coffres random. Petite transfo de Guppy aussi, ça pourrait être rigolo. Ah, Pretty Fly. En parlant de mouche. Ah, il y avait un cœur noir. Bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, la clé, je veux bien. La clé, c'est toujours utile d'en avoir quelques-unes en rab. Oh putain, j'ai failli me faire toucher. Ah, ouais, non, vas-y, Nick, on s'en fout. On est full life, on a tout. On veut juste tracer jusqu'au bout. Et aller manger. Attention. Merde, merde. C'est quoi, le magicien? On s'en fout. Ok. Merde, j'ai mis une bombe, dis donc. C'est quoi? Paralysis. Ok. Isaac. Allez, le pied de maman. Allez, voilà, c'est plié. Oh oui! La speed belt. Le bon crampu. Qu'on touche shot, évidemment. Oh là, bah, évidemment, il n'y a aucun objet qui nous intéresse chez lui. Perthrow, c'est pas mal, ça. Bon, il y a le boss rush, mais... Évidemment, on s'en cogne l'arrêt. Surtout que c'est des objets pas ouf. Et que ça n'est pas l'objectif. Allez, on continue. On continue. Curse of the Darkness. Ouais.
Ok, c'est pas par là, dommage. Ok. Ouais, des objets qui n'ont aucun intérêt. J'espère que le boss est par là. Dommage que cet étage il est pas plus un intérêt. Finalement, c'est un. Comme il n'y a pas de salle d'objets ni de shop. Et que le boss il est un peu random. En fait, c'est un étage qui est un peu mort quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt comme les étages précédents. Ou même les suivants qui sont bah, les stages pré-boss de fin. Ah! Vas-y. Devil Deal. Le trapdoor. Ouais, mais non, enfin, oui, non, ça sert à rien parce que faut que je garde le kamikaze donc. Ça ne sert à rien. Allez, avant-dernier étage. Oh, c'est quoi hein? Ok, pourquoi pas. Inutile, mais pourquoi pas. Ah, le relou, ouais. Vas-y, monte ta tête. Mais monte ta tête. Oh, tu saoules. Oh, tu saoules. Il faisait son timide. C'est pas par là. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai la Kinsey for Red, donc... The Moon. Ouais, non, mais je suis déjà dans la salle. Donc, intérêt pour cent. Hop. C'est vrai que je pourrais bomber les portes en fait. Je me fais chier à tout tuer mais on pourrait bomber les portes aussi hein, pour passer plus vite. Pas qu'on gagnerait beaucoup plus de temps mais... Pour les salles dangereuses par exemple. Ah des mouches. Putain c'est toujours pas là hein. Bon bah ok. Oui non et quoi là-dedans. Cancer, c'est très bien, mais il faut des larmes. Oh, attention! Petite touche un peu débile. Allez, it leaves. Il est vivant. Le bébé de maman. Ah bah oui. Cours dans les larmes. S'il te plaît. Oh, relou. T'as pas envie de faire du slalom. Petit cœur, y'a quoi là? Y'a Ziyosh qui s'est open, dis donc. La death list. Death list. Bah non, on s'en fout. Nous on va voir notre copain. Notre copain le diable. On va aller bourrer le diable. Eh merde! Je pensais que ça se désactivait, mais pas du tout. Mais reviens là, relou! Voilà. Ah, les squelettes avec les mains dégueulasses. Les mains qui essayent de tripote. Ah oui! Ah oui, c'est vrai qu'on peut piffer des cœurs là-dedans. On en a eu qu'un. Ok, c'est pas là. C'est pas là non plus. Non, but d'un connard. Ah, deux touches pour celui-là. Ah oui, merci. Et le boss.
Allez, dernier combat. Paf. Oh, ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est fort. Bon, je me touche un peu volontairement. Voilà. Hein, voilà. Non mais, ça va être le challenge le plus débile du jeu. Ah oui, on a touché les deux. Optimisation. Bah ben voilà, avec un éternel, et voilà. Le challenge Blue Bomber. Qui est fait d'une manière... magistrale. Et on a débloqué la bombe dorée. Et donc du coup on en était à 130. Voilà.